Shalom, shalom. Je suis le prophète Joël Crasso. Il est pratiquement 9h, je crois. 9h37 à ma montre. Je viens à peine me réveiller. Je suis en train de prendre mon petit déj. Mais en même temps, rendre gloire au Seigneur. C'est pour moi un puissant témoignage parce que hier, nous avons échappé à un accident très grave par la grâce de Dieu. Un accident, on revenait juste de l'Abidjan. Après, pour vacances, pour Gagnois. Pour Gagnois, pour régler certaines choses, pour le complexe, hôtelier, pour les Gagnois. 20 km en blanc de Ndoussi. La voiture est sortie de route. Notre voiture est sortie de route. Elle est sortie carrément. Elle s'est mise sur le toit. C'est-à-dire qu'elle a tourné deux fois, puis elle s'est mise sur le toit. Et nous avons vu dans cette direction-là, une autre véhicule qui venait tout droit, KS, venait de Gagnoua. Et à notre niveau, parce que la voiture traversait sur la voie, et quand ça voulait arriver à notre niveau, on a senti qu'il y avait la voiture fait machine, la voiture fait batterie, c'est revenu sur l'autre voie. Et quand la voiture est passée, la voiture est revenue encore, et le chauffeur était avec le volant. Enfin, il ne pouvait plus maîtriser le volant. Et c'est parti comme ça, tournait, ça repartait, comme ça repartait, quatre fois. Parti, revenu, parti, paf, ça nous a jeté dans un ravin. Et tous ceux qui ont suivi la scène, il y a des gens qui sont arrêtés la voiture tendue de suivre la scène pour voir comment ça allait finir. Heureusement qu'on n'a pas fait de tonneau. Et quand ils sont venus, ils nous ont trouvé dans le ravin. Ils nous ont demandé s'il n'y a pas de morts, il n'y a pas de blessés. On a dit non, ils étaient tous étonnés. Plusieurs questions à la fois. Ils étaient tous étonnés. Je me suis présenté à eux pour dire que notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. J'ai dit, il y a des choses qui ne peuvent pas m'arriver. Vous savez, mais je n'exclus pas le combat de la chose. Selon Esaïe, Jérémie, le chapitre 1, le verset 19, il dit, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te délivrer au rat de l'éternel. C'est la promesse de Dieu. Donc, je n'oublie pas l'aspect de la guerre, mais ils ne pourront pas me vaincre. Au dernier mot, c'est ce qu'il dit aux gens. Je ne peux pas mourir dans un accident de voiture, jamais. Parce que la Bible dit dans Isaïe 54, c'est tout âme forgée contre moi sera sans effet. Et moi, en moment de sortie de ma maison, je déprogramme. C'est ça, la force. L'aurore, qu'est-ce que tu as dit à l'aurore? Voilà, l'aurore. Donc, on a su que c'était déjà programmé. Parce qu'une voiture comme ça sort, hein, fait sortir de route, c'est même l'autoroute, hein, on parle de l'autoroute. Vous pouvez partir dans ce sens, votre voiture soit dans l'autre sens, la voie. Donc, la voiture qui vient de l'autre côté cherche à percuter votre voiture. Quand ça a touché la voiture, ça laisse couper en deux. Et pendant que la voiture est en train d'arriver sur le cas, la voiture est repartie encore sur l'autre voie, et la voiture tournait comme une toupie. En tout cas, ce que le Seigneur permet que ça s'arrête quelque part. D'autres me sont allés jusqu'à nous retourner vers nous aussi pour prendre des blessés ou des morts. Et quand on a dit qu'il n'y avait pas de blessés ni morts, c'était vraiment étonné. Donc pour nous, c'était vraiment une occasion de rendre témoignage à la gloire de Dieu. Tout peut arriver sur un être humain, tout humain. Il y a des choses qui ne doivent pas m'arriver. Mourir dans un accident de circulation, jamais ça ne va m'arriver. Fait un accident grave où j'ai une blessure, jamais. On est sorti de la voiture, mais la voiture était endommagée. Sa voiture est toujours sortie, touchée au bout du moteur, tout ça. Parce qu'il a rentré, ça joue sur le moteur. Le joint d'Atlas est détruit. Voilà, donc voici un peu. C'est un témoignage puissant de la gloire de Dieu. Vous dit et fait, Dieu est dans sa parole. Et donc, quand vous enseignez la chose, Dieu est sans parole. Quand vous levez matin, vous programmez ce qui était programmé. Parce qu'on a su que c'était programmé, on regardait la chose, on ne pouvait que compter sur Jésus. On pouvait compter sur Jésus. Et j'ai fini par comprendre que c'est comme ça les gens meurent dans l'accident. Voilà. Parce qu'ils voient la mort. Ils voient même la mort. Et puis, paf, ils rentrent l'âme après. Ils meurent dans l'accident. Mais la Bible dit que tout en fait pour contre moi sera sans effet. Je crois à la puissance de Jésus-Christ. Je crois à son pouvoir. À lui la gloire. Merci et shalom pour tous ceux qui prient pour nous. Continuez toujours de prier pour nous. Le combat continue tant qu'il y aura les sorciers pour me retrouver sur le chemin. Et ce n'est pas maintenant que je vais mourir, gloire à Dieu, je ne mourrai pas. Je vivrai encore pour rencontrer les merveilles de mon Dieu, parce qu'il y a beaucoup à faire, d'ailleurs, pour sauver les âmes pour la cause du Christ. Je dois aller évangéliser au Gabon, et au Pikimé du Gabon, au Cameroun, moi je dois aller entrer dans les broussailles, prêcher à ceux aux Indiens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus dans l'Amazonie. Voici moi ma vision, hein. Ma vision c'est comme ça. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, les délivrer, alors annoncer Jésus, faire des chrétiens. Voici un peu ma vision. Donc, gloire soit rendue au Seigneur. Shalom, j'annonce aussi en même temps un événement la semaine prochaine. Nous avons aussi une retraite spirituelle qui démarre à partir du mercredi prochain.
jusqu'au dimanche. Donc, tout le monde est invité, c'est à Zaroko. Zaroko, dans la région de l'Odibois, département de Divo. Dès que vous êtes à Divo, vous demandez le quartier qu'on appelle Conakro. Vous êtes à Conakro, vous demandez la gare de Iré, vous rentrez à Iré, vous demandez le vécu de Zaroko, vous êtes à Zaroko, un endroit où Jésus est Seigneur. Shalom, soyez bénis.